Si le monde du spectacle subit de jalés comme si Quan Suisse de la flambée de nouveaux cas de Covid-19 en France, cela risque d'être le cas aussi pour des autres secteurs culturels. Le 49e Festival international de bande dessinée d'Angoulême, initialement prevu du 27 au 30 janvier 2022, va ainsi être reporté en raison de la crise sanitaire, annonce ce mardi l'AFP son délégué général Franck Bondou. Face au rebond des contaminations et après les nouvelles mesures de restriction, dont les jauges, annoncées lundi, l'IDN n'est pas de forcer le destin à tout prix pour avoir un événement des grades, a-t-il expliqué, ajoutant qu'avec ce report, le Festival de Libre, Franck Bondou a précisé envisager de repousser cet événement de 3 mois, pour une tenue éventuelle fin mars. Ce report intervient après une année déjà compliquée pour le festival. Repousse à elle, il avait finalement été annulé, en raison de la crise sanitaire.